It was at this moment he knew he messed up. Salut tout le monde, c'est Rookie, de retour sur Warzone 1. Et oui, aujourd'hui on va essayer de rejouer un peu les classes OG de Warzone 1, mais sur Warzone 3. Je vous propose le largage M4A1 AX50, la OG M4A1. Pour la M4A1, on utilise la M16 avec son kit de conversion Jack Patriot. Et un sniper qui a été également énormément joué au début de Warzone 1, la X50. Pour la X50, j'ai choisi d'utiliser le MCPR-300 avec ce class setup. C'est parti, je vous emmène avec moi. Un gardien hostile a été déployé. Opérateurs de cette escouade ont été marqués. Abattez-les, mis dans la zone d'opération. Autorisation vérifiée. Vous pouvez entrer. Opérateurs de cette escouade ont été marqués. Abattez-les. Il en reste 25. Élimination. Le reste de son escouade est marqué sur votre carte tactique. Bonne chasse. Drone n'a plus de carburant. Retour à la base. L'élimination. Le reste de son escouade est marqué sur votre carte tactique. Bonne chasse. Solo, I'm solo. Laisse-moi vivre, s'il te plaît, frérot. Laisse-moi vivre, s'il te plaît. Je suis solo. Bah, t'es solo. Ouais, y'a personne qui a spawn. Non, je suis vraiment solo. Je te tue pas. Please. Tu veux que je te donne quelque chose? J'ai un drone. Je te donne un drone pour te remercier. Vas-y. Il est là. Il est dehors. Ouais. Vas-y, je me casse. Merci. Vas-y, à la prochaine. Cible marquée, demande de frappe aérienne. Précision ennemie, à couvert. Reçu, Phoenix 2-3 en approche. Oh
je me suis trompé d'arme. Dommage, dommage, dommage. Petit gameplay avec la M4 et la X50, on s'est quand même plutôt bien régalé. Un petit 10 kills, on aime ça. Je vous propose du coup la bonne vieille MP5 avec la Kilo, hein. Une des méta qui a été méta le plus longtemps sur Warzone 1, la MP5. Et donc pour ce qui est de la MP5, j'ai utilisé l'enveloppe Larkman avec son kit de conversion Jack Decimator et j'ai essayé de faire en sorte que ça ressemble le plus possible à la MP5 d'origine. Parler de Warzone 1 sans parler de la Kilo, c'est se tromper. Pour la Kilo, j'ai utilisé la MCW avec ce class setup du coup et on va aller tester ça en solo duo. Dans ce gameplay, je vous propose de revivre le légendaire loadout MP7 CAR 98. On va utiliser la bonne vieille MP7. Du coup, pour la MP7, j'ai utilisé la VEL 46 à ce class setup. Bien évidemment, on ne peut pas outrepasser le légendaire CAR 98. Et pour le CAR 98, j'ai utilisé le CAR 98K avec ce class setup. On va voir ce que ça donne tout de suite en solo duo. Let's